Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Je serai donc demain, hein, mercredi 4 février, à 13h30 au TGI de Paris, sur l'île de la Cité. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un château, s'il y a des dorures, enfin vous ne pouvez pas le louper, hein, le truc, tu te dis, tiens, quand même, qu'est-ce que c'est un château, quoi. Enfin, je suis convoqué sur ordre de notre maître, El Blanco, hein, pour répondre de l'accusation d'apologie de terrorisme. Par chance, ils n'ont pas retenu ni le cannibalisme, ni la sorcellerie vaudou, hein, ni l'organisation de jeux de dés truqués. Je me disais peut-être qu'ils vont mettre ça sur le dos. Non, apparemment, c'est bon, on est passé au travers des mailles du filet. Mais parce qu'il ne faudrait pas leur donner des mauvaises idées, hein, comme dirait mon directeur de la publication. Le grand architecte, donc, hein, celui qui nous dit ce qui est bien et mal dans le monde dans lequel nous vivons, me reproche un tweet. Hein. Je me sens Charlie Koulibaly, qui serait, ce tweet, hein, au mépris évidemment de tout bon sens et de toutes les lois en vigueur, donc au mépris de tout ça, ce serait, selon donc les gens qui sont au pouvoir, de l'apologie de terrorisme. Merde. Et pourquoi pas directement un crime contre l'humanité, m'a dit mon directeur de la publication. Je lui dis arrête, t'exagères. Le pouvoir est devenu complètement cinglé. Il ne contrôle plus la situation que par le mensonge, la manipulation et le vice. Donc dans ce chaos civilisationnel, je me sens Charlie Koulibaly, résonne comme un espoir de paix. Oui, vous m'avez bien entendu. Je le répéterai à qui veut l'entendre. Car que ce soit Charlie ou Koulibaly, il repose aujourd'hui dans les bras de la paix éternelle. Et cette paix éternelle leur souffle à l'oreille « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Ah, c'est beau ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ce qui m'a inspiré. Car en vérité, je vous le dis, « Je me sens Charlie Koulibaly » est une expression qui m'a été confiée par celui qui inspire. Et j'en découvre la profondeur et la portée chaque jour un peu plus. Moi-même, je suis le premier surpris. « Je me sens Charlie Koulibaly ». Ça évoque la recherche de la paix intérieure. Charlie, Koulibaly, la paix ne se cache-t-elle pas entre ces deux hémisphères? À vous de faire votre recherche. En tout cas, Dieu donné en paix, le titre de mon prochain spectacle, alors annoncé un peu partout comme le dernier, hein, effectivement, je pense que ce sera le plus ambitieux de tous mes spectacles. Après vous avoir fait rire avec des personnages indignes et immoraux, hein, que vous pouvez quand même retrouver à Saint-Étienne et à Clermont-Ferrand. Non, ils sont vraiment... Le maire de Clermont, il ne veut pas que je vienne, mais je vais venir quand même. Même s'il faut aller jouer dans sa cuisine, je viendrai jouer. Ok ? J'ai un message d'ailleurs de mon directeur de publication que je devais lui passer, au maire de Clermont, mais je ne le passerai pas. Je ne le passerai pas. Il m'a dit qu'il allait se faire enculer. Comme ça qu'on organisera la paix, c'est ce que j'essaie de lui dire, mais il s'en fout complètement, tous des cons du dos, tous une bande d'enculés, de salopards, je sais. Moi, après avoir interprété ces personnages indignes et immoraux, je vais me faire dans le prochain spectacle gangster de la beauté, esclave de la grâce. Je vais tenter de vous faire rire avec ce qu'il y a de plus beau en nous. Ah, il va falloir chercher un petit peu, parce que là, il y a du boulot. Ce qu'il y a de plus beau en nous, qu'est-ce que c'est? Jésus, me diront certains. Ah, je suis un peu d'accord aussi, mais bon, il y a aussi la nature, il y a les salades, il y a tout ça. Mais, voilà. Je parlerai aussi d'Internet, de Jeep Lunaire dans le prochain spectacle. Mais enfin, ça, c'est pour juin, donc en attendant, je suis en tournée. Demain, on se donne rendez-vous, venez nombreux, hein, me soutenir et soutenir la liberté d'expression, parce que c'est vrai que... Comment ça? J'ai vu que même le Corée du Nord, le mec, il a dit oh, « c'est pas normal si se passe ». En tout cas, on est toujours dans cette dynamique d'émancipation, je vous l'ai dit. La non-assurance, on en est bientôt à 120 000, après l'avoir construit. Donc ça sera pour avril, l'assurance. Donc continuez à signer la pétition, hein, pétition hein, avec un F. Et la banque suivra également après. Non, on est motivé là. Donc on verra ce qui se passe demain. Donc je vous retrouve à Saint-Étienne. Venez nombreux à Clermont aussi. Hein. Allez, j'y vais parce que c'est pas le tout, mais j'ai un spectacle à écrire. Spectacle sur la paix.